Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation de test. C'est un test que j'ai réalisé du coup avec Seb et où on vous présente une marque qu'on n'avait jamais testée encore actuellement. C'est la marque Thermic, qui est une marque spécialisée dans les accessoires et produits chauffants. Et je porte actuellement la veste, la doudoune sans manches, et j'ai également pu tester des gants de cette même marque. Alors du coup, cette veste chauffante, elle s'utilise bien sûr en mode lifestyle, comme je suis actuellement, où elle peut se porter également en ski de rando, elle peut se porter surtout, et c'est là où je l'ai utilisée après une séance d'entraînement, parce que l'hiver, c'est pas évident, une fois qu'on a fini la séance d'entraînement, de rester quand même au chaud et de pas risquer d'attraper froid du coup. Donc cette veste, comment elle fonctionne, c'est simple. On a une veste avec à l'intérieur donc un câble d'alimentation qui est relayé en fait à une batterie externe. Et entre les deux, on vient intercaler une connexion Bluetooth, un petit appareil avec une connexion Bluetooth. Et cette connexion permet à son utilisateur de gérer l'intensité de la chauffe comme un thermostat un petit peu avec une application mobile. Alors vous verrez dans l'article, j'en parle un petit peu, c'est vrai que je trouve ça bien pensé parce que on peut l'utiliser également sans ce petit accessoire Bluetooth. Et si on l'utilise sans l'accessoire Bluetooth, on a une chauffe qui est intense. Avec cet accessoire, on peut régler de 1 à 7 le thermostat et la chauffe qu'on veut. Et en période hivernale, comme aujourd'hui, même s'il y a du soleil, et tant mieux pour nous, ça fait tout de même plaisir, il y a un petit peu de vent, un petit peu de froid. Et j'avoue que là, je viens de la mettre en intensité 4 et je me sens tout de suite plus à l'aise. Voilà. Et ensuite, je vous parle des gants que j'ai utilisés principalement en running. Ils ont la particularité d'être double fonction, avec également une partie, une surprotection thermique contre le vent et un peu la pluie, quoi. Donc c'est pas du waterproof, hein, mais ça protège un tout petit peu de la pluie, de la neige. Et à l'intérieur, on peut y glisser des chaufferettes chauffantes qui permettent de rester bien au chaud pendant environ 5 heures. Au-delà de l'aspect technique de ces produits, moi ce que j'ai trouvé, en tout cas avec Seb, on est unanime pour dire que c'est quand même des produits de très très grande qualité. Alors je connaissais pas du tout, mais au final c'est quand même une bonne surprise. Forcément les prix, ça ressent un peu, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, moi je suis vraiment ravi, notamment de ces gants qui, pour un prix quand même assez raisonnable, permettent déjà d'avoir une bonne protection des mains. On peut l'utiliser également en vélo, en ski de rando, parce qu'il y a du grip à l'intérieur. Donc tout un tas d'utilisations, voilà. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse lire l'article. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas avec Seb, on est là pour y répondre. Et ça a été vraiment un plaisir de découvrir cette marque. Et restez connectés avec nous pour de nouveaux tests, encore toujours plus nombreux et toujours plus diversifiés. Et voilà, à bientôt.